Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi. Aujourd'hui en ligne il y a un morceau qui s'appelle Tapis Volant qui est plus destiné aux deuxième, troisième année. Voilà, mais bon après les premières années peuvent essayer aussi, hein. Il y a une tablature donc c'est assez simple. Un morceau en deux séquences avec une mélodie qui est écrite en partition que je vais vous mettre en ligne aussi et puis un accompagnement qui est écrit en tablature. Okay. Donc voilà, je vais vous faire un petit détail main gauche pour la partie mélodique et un petit détail main droite pour la partie d'accompagnement. Voilà. Pour le détail de la main gauche, on va commencer à la sixième case. On est en sixième position, c'est-à-dire l'index ici que vous voyez sur la sixième case. Okay. On est sur la première corde et on va jouer doigt numéro 1, doigt numéro 2, corde à vide. Encore une fois. Et ensuite, toujours sur cette première corde, doigt numéro 1, doigt numéro 2, doigt numéro 3, à suivre. On revient doigt numéro 2, doigt numéro 1. Et ensuite, on passe avec le doigt numéro 3 sur la deuxième corde, doigt numéro 2 sur la deuxième corde aussi. Je vous le refais, ça va faire. Ensuite, on recommence. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 3, 2. Troisième doigt sur la deuxième corde. Deuxième doigt et corde à vide. Voilà pour cette première partie. Ensuite, après la double barre, eh bien, on monte ici à la douzième case. Donc c'est la case qui fait la jonction entre le manche et la caisse ici. Et on est avec le deuxième doigt. Et l'on va faire sur la première corde, deuxième doigt, premier doigt, et ensuite troisième doigt sur la deuxième corde. On recommence. Et là, deuxième doigt sur la deuxième corde. Donc je vous refais ça. Ça fait 2, 1, 3. Sur la deuxième corde, et là, 2, 1, 2. Ensuite, on refait la même chose avec 2, 1, 3, on a changé de corde, 2, et là, on va reglisser ce doigt jusqu'à la 7, 8, 8e case, et là, 2, 1, 0. Je vous refais ça, donc ça va faire. Je le refais une fois parce que la deuxième fois, c'est exactement la même chose. Donc pour le détail de la main droite, la partie en tablature hein, sur la partition, on va avoir l'index et le majeur qui vont être posés pendant tout le morceau, enfin qui vont être posés, qui vont jouer pendant tout le morceau, la troisième, l'index donc sur la troisième corde, et le majeur sur la deuxième corde. Qui vont jouer, ces deux doigts-là vont jouer de façon simultanée les deux, ces deux cordes. Je vous le fais. Voilà, veillez bien entendre les deux sons en même temps. Et on va alterner en fait une grosse basse pour démarrer la première mesure, deux accords, la quatrième corde et un accord. Je vous refais. Voilà, et c'est ça. Tout le morceau. Alors, en ce qui concerne la tablature,
Pour la main gauche, on va avoir simplement trois positions d'accord. La première, elle est très très simple, hein, puisqu'on a simplement le deuxième doigt posé ici sur la quatrième corde à la deuxième case. Et à partir de là, mais on peut faire l'accompagnement que je vous ai expliqué juste avant. C'est-à-dire... Voilà. Ensuite, à la quatrième mesure, vous avez le troisième doigt qui vient se placer sur la cinquième corde à la troisième case. Et là, on va faire... Deuxième case, on vient poser ici notre troisième doigt sur la troisième corde à la deuxième case. Donc je vous refais cette mesure, c'est la quatrième mesure du morceau. Ok, donc si j'enchaîne, ça va faire. Donc c'était le morceau tapis volant, j'espère que ça vous a plu. Commencez à travailler tranquillement ça et puis ben, renvoyez-moi vos messages, comme d'habitude, hein, vos vidéos, vos audios, et puis je vous commande ça, je vous réponds sans tarder. Voilà, allez, à bientôt, au revoir.